jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ensemble nous fêtons, happy birthday. Goodies et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser un layer cake aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la crème au beurre. Nous aurons besoin du blanc d'œuf, du sucre, du beurre et de la vanille. Donc tout d'abord, nous allons mélanger à bain-marie notre sucre et le blanc d'œuf. Alors après avoir mélangé notre sucre et nos blancs d'œufs, nous allons à l'aide d'une spatule, d'une marise ou d'un batteur à main, comme là sur la vidéo, battre, toujours mélanger et ne jamais quitter. Donc vous allez mélanger, remuer tout le temps et de temps en temps, vous allez comme ça essayer de toucher la texture pour voir si le sucre a vraiment fondu. Donc dès que le sucre fond, que vous ne ressentez plus des cristaux de sucre, vous enlevez directement votre mélange et nous allons passer à la suite. Donc toujours tourner, ne jamais quitter et à chaque fois tester pour voir si le sucre a vraiment fondu et vous ne ressentez plus les cristaux. Donc là c'était prêt. Nous allons ensuite passer. Nous allons verser le mélange dans notre machine et vous allez battre à vitesse maximale jusqu'à ce que ça mousse et ça double de volume. Nous allons pour la suite de notre crème utiliser la feuille de la machine afin que les œufs, le mélange œuf-sucre ne se casse pas et ne retombe. Donc pour la suite, nous allons ajouter notre beurre et ensuite la vanille et bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. Mes goodies, comme d'habitude, toutes les quantités sont notées en bas des descriptions. Pour parfumer notre crème, nous allons ajouter de la vanille et après vous allez encore remuer jusqu'à ce que le mélange soit vraiment crémeux. Notre crème est prête, nous allons ensuite la diviser en deux parts égales et une part la colorer en vert ou alors une autre couleur, celle qui vous plaît. Mes goodies, dès que notre crème est prête, nous pouvons passer au montage du gâteau. Là, j'ai réalisé 2 4/4. Je vous laisserai le lien en bas de description. Alors, je vous conseille de réaliser ces gâteaux à la veille du montage et de les placer au frigo dès qu'ils ont refroidi. Ceci vous facilitera la coupure du gâteau ainsi que la manipulation. Donc là, nous allons mettre un peu de crème au fond afin que notre gâteau, nos gâteaux ne bougent vraiment pas. Alors mes goodies, afin que le gâteau soit bien moelleux, vous pouvez utiliser un sirop. Ici j'ai utilisé du jus, j'ai versé un peu de jus d'orange sur le gâteau à chaque fois.
30 minutes après, nous allons ressortir notre gâteau au frais et nous allons continuer de le travailler. Après avoir lissé notre gâteau, nous allons le remettre encore au frais pendant 30 minutes. En fait, c'est ça le secret des layer cake. Si vous lissez votre gâteau et vous vous rendez compte que ce n'est pas lisse à votre goût, alors vous remettez au frais pour 30 minutes et vous le retravaillez encore pour la suite, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat parfait, un résultat qui vous plaît. Si vous avez des endroits où on voit encore le gâteau, alors mettez de la crème à ces endroits-là, vous lissez, vous remettez au frigo afin que la crème durcisse et vous ressortez. Ainsi de suite. Chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Mes goodies, notre gâteau est bien lisse. Nous pouvons maintenant passer à la décoration de notre gâteau. Je ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer comment est-ce que je réalise ces morceaux de chocolat pour décorer son gâteau. Surtout, pensez à bien le fixer dans le gâteau, sinon il va retomber comme chez moi. Donc, fixez bien vos chocolats dans le gâteau. Là, on a eu droit à un gâteau Paw Patrol parce que mon neveu est fan de Paw Patrol. Du coup, j'ai décoré son gâteau avec des miniatures, ces chiens-là, de la série Paw Patrol. Donc voilà mes goodies, nous sommes à thème de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! Le gâteau est vraiment délicieux, la crème est vraiment moelleuse. Abonnez-vous sur PC Goodies, activez la cloche de notification. Chaque semaine, vous aurez des vidéos. C'est vraiment super. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Je vous remercie.